Thank you.
Il y a 7 ou 8 ans, à Antibes-Jean Lépin pour le festival, Miles Davis se présentait en compagnie de jeunes musiciens. Le pianiste était Herbie Hancock. Il était célèbre à l'époque, il venait de composer un thème qui a été joué ou enregistré par de très nombreux orchestres et dans tous les styles. Il s'agissait de Watermelon Man. Avec Miles Davis, Herbie Hancock est resté 6 ans. Puis il a décidé de fonder son propre orchestre pour montrer qu'il est un compositeur plus qu'un excellent pianiste. Cet orchestre, nous l'avons découvert l'an passé à un autre festival, le Festival de Nice, et pour cette émission de télévision que nous voyons aujourd'hui, il est venu spécialement à Paris. Ce qu'il nous propose, c'est une musique qui est riche du passé du jazz et qui prend aussi ses limites avec la musique contemporaine, celle du free jazz. Cela est coloré, cela est un peu agressif, mais cela est réellement contemporain. Thank you.
Capitole réédite sous forme de 15 disques une série d'enregistrements exceptionnels réalisés à la fin des années 40 et au début des années 50. Tad Dameron, que nous entendons en ce moment, était à l'arrangement ce que Thelonious Monk était au piano au début des années 40. Sur le même disque, le chanteur Babs Gonzalez et le dernier grand orchestre régulier de Dizzy Gillespie qui joue en ce moment Coast to Coast. Regretté Art Tatum, maître de tous les pianistes de jazz, passé, présent et à venir. Vladimir Horowitz, par exemple, avait pour Tatum la plus grande admiration. Coleman Hawkins, vétéran du jazz qui n'a cessé d'évoluer tout au long de sa vie, et le petit orchestre qu'il dirigeait en Californie en 1945. Voici Benny Carter et le grand orchestre californien qu'il dirigeait de 43 à 45 et l'orchestre que Cootie Williams présentait à New York en 45 et 46. Lenny Tristano et ses saxophonistes Lee Konitz et Warren Marsh réussirent à la fin des années 40 à trouver un style différent de ceux de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker. Le même disque présente également le sextet du clarinettiste Buddy DeFranco avec Jimmy Rayner à la guitare et Max Roach à la batterie. Duke Ellington, non pas à la tête de son grand orchestre, mais de son trio, l'un des rares disques de piano de Duke. Benny Goodman, Charlie Barnett et leur dernier grand orchestre régulier. On trouve ici une face très rare du septet de Goodman avec Fats Navarro. Le King Cole Trio est une série d'interprétations strictement instrumentales où sont mises en valeur et le jeu de piano de Nat Cole et la merveilleuse balance qui existait entre les trois membres du groupe, tant au plan rythmique qu'au plan sonore. King Cole, pianiste, un maillon indispensable dans la chaîne qui va de Earl Hines à Bud Powell. Stan Kenton et des pièces enregistrées de 1946 à 1965 et signé Pete Rugolo, Shorty Rogers, Bill Holman, Gene Roland ou encore Johnny Richards. Le regretté saxophoniste baryton Serge Chaloff, à la tête d'un quartet formé en 1956, un an avant sa mort. Nous allons retrouver Chaloff dans la célèbre section de saxophone de l'orchestre Woody Herman des années 48 et 49. Early Autumn, que nous entendons en ce moment, apporte une conclusion à notre séquence disco jazz, après laquelle nous retrouverons Herbie Hancock. Thank you.